Yahoo petit bonsoir, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un yaoi âge conseillé 16 ans et plus. Mais comme toujours, aucune image choquante pendant la vidéo. Donc je vais te parler du manga L'étranger de la plage, un manga des éditions Boys Love dans la collection Anna Collection. C'est un manga qui date de 2013 au Japon et de septembre 2016, donc cette année et le mois dernier pour la France. Donc c'est un manga de Kii Kana, un mangaka dont on va bientôt entendre parler à nouveau par la maison d'édition Boys Love, tout simplement parce qu'ils vont publier la deuxième œuvre de l'auteur, qui est une suite en fait de celle-ci. Et bien entendu, je t'en parlerai très rapidement, le plus rapidement possible, de la série, tout simplement parce que je compte aussi l'acheter. Voilà. Donc en ce qui concerne la qualité des dessins, je ne vais pas te les afficher à côté de moi comme je fais d'habitude pendant que je parle sur mon avis des dessins et de la série, tout simplement parce que ça serait comment dire, rabaisser la qualité. Je préfère te montrer quelques pages comme ça. Donc franchement, en ce qui concerne les dessins, je les trouve juste magnifiques. En film d'animation, ça pourrait être super beau à voir, franchement. J'aimerais vraiment voir un film d'animation dessiné par Kii Kana, parce que ça devrait être super, juste au top, magnifique. Et voilà. Donc franchement, si tu vas en magasin, que tu le vois, ouvre-le. Même si tu n'aimes pas les yaoi, ouvre les premières pages, les 5-10 premières pages, parce que de toute façon, il n'y a pas grand chose dans les premières pages qui peut te choquer. Donc ouvre-le juste pour voir la qualité des dessins, parce que c'est juste au top. Donc en ce qui concerne mon avis sur la série, je ne vais pas tourner autour du pot, c'est juste une tuerie. J'ai adoré le thème, j'ai adoré aussi l'histoire, la relation des personnages, tout est super bien développé. Mais surtout, ce que j'ai adoré, c'est que c'est un peu poétique, mélancolique, et tout simplement l'histoire est super bien gérée. Je ne saurais pas trop expliquer pourquoi, je trouve juste l'idée top, le développement, tout est parfait. Tout est parfait. Franchement, je ne peux rien dire de négatif dans l'œuvre. Tellement que j'ai aimé absolument toutes les pages. Aucune page, je ne sais pas s'il n'y en a pas plus de 180. Je crois qu'il y en a un peu plus que 180. Mais aucune page ne m'a déçue. Aucune page n'a été en dessous du coup de cœur. Toutes les pages, tout le volume est un putain de coup de cœur. Et oui, le mot putain avait vraiment sa place dans cette vidéo. Et pour te donner une idée, même en ce qui concerne mon avis sur ce yaoi, je crois que ça doit être limite l'un des plus beaux yaoi, des plus classes, des plus coup de cœur risants. Oui, j'invente des mots, mais c'est vraiment l'un des plus gros coups de cœur que j'ai eu en yaoi. J'en ai lu quand même pas mal. Et crois-moi, il finit dans le top 5 de tous les yaoi que j'ai pu lire. Et je sais même pas s'il finirait pas en première place si je devais faire une battle dans tout ce que j'ai pu lire. Donc en ce qui concerne du coup cette série, c'est vraiment un coup de cœur. Je vais pas aller plus loin. En ce qui concerne du coup l'auteur, la suite, je vais la lire, ça c'est sûr. Par contre, petite note, tu me connais d'habitude, je suis du genre à lire la série quand elle est terminée au Japon. Mais là, non. Là, je vais lire les volumes les uns après les autres. Par contre, je te ferai une vidéo au bout des deux premiers, parce que je ne sais pas du tout pour l'instant combien il y aura de volumes en tout, mais je te ferai un bilan au bout des deux premiers volumes pour te donner déjà mon avis sur les deux premiers, et etc. Je te ferai des bilans lecture, voilà, très réguliers. Je ne sais pas du tout combien de volumes il y aura au total, donc voilà, je ne peux pas dire plus loin. Mais toujours est-il que j'adore, et si la maison d'édition Boys Love, vous voyez cette vidéo, je crois que vu comme j'aime cette série, si l'auteur a écrit autre chose, même avant, ou entre les deux séries, parce qu'il y a quand même des années à mon avis, je suis preneur, je prends tout. Je crois que je serais capable de tout déglinguer et même de tout acheter en un mois si vous sortiez tout. Tout ce que l'auteur a sorti, et même Anna Collection, qui est quand même cher par rapport à l'autre collection de yaoi de cette maison d'édition, ça en vaut le prix. Et honnêtement, cette série, elle serait même... Parce qu'il y a des fois, il y a des séries comme ça, ces grands formats ou quoi, qui sont à 12 euros. Même 12 euros pour cette série-là, personnellement, ça en vaut le coup. Alors je tiens à insister et à le placer au cas où, ce n'est pas du tout un partenariat, je l'ai acheté avec mes propres sous. On ne s'est jamais vu à quel point j'aime cette série, je préfère clairement le dire. Mais ça, crois-moi, je ne le revendrai jamais de ma vie, même si j'ai un problème de fric, il faut que je revende des mangas, etc. Celui-là, tu peux être
te faire cuire un œuf. Je ne le revendrai jamais tellement que je surkiffe cette série. Et je sais même pas si je vais pas aller me trouver en d'autres langues ou deux, trois langues différentes pour l'avoir en collection tellement je surkiffe. Déjà le trouver en jap, ça serait pas mal et peut-être dans d'autres langues. Mais honnêtement, ça, c'est le big coup de cœur de l'année. Franchement, si tu peux pas acheter plus d'un yaoi dans l'année, c'est lui qu'il te faut. C'est lui qu'il te faut. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle pour quasiment rien dire. Mais le coup de cœur de l'année en yaoi. Voilà. Par contre, aussi une petite note pour ceux qui ne sont pas forcément fans des scènes de sexe dans les yaoi. Même si t'aimes un yaoi, des fois t'as pas forcément envie de voir des scènes de sexe. Il n'y en a qu'une seule. Et voilà. Donc il n'y en a qu'une seule sur tout le volume. Et elle dure pas longtemps, elle dure quoi, 5 pages à tout péter. Donc voilà, même pour ceux qui sont pas ultra fans de ce genre d'image, ça reste correct et c'est pas des images non plus très très hautes. Voilà. Donc on termine du coup comme toujours par les couvertures. Donc on va avoir une sublime image qui est très jolie, qui est très travaillée. Et surtout une image qui correspond assez quand même à la série, bien que ce ne soit pas une image que l'on retrouve dans le volume, ce qui est plutôt pas mal. En ce qui concerne l'image, en fait, tout simplement, quand on ouvre la jaquette, ça étire l'image. Et quand on regarde le dos, c'est pareil, ça continue l'image. Donc, je vais essayer, voilà, que tu puisses bien voir tous les petits détails. Mais, de toute façon, on retrouve l'image en image couleur dans le livre. Donc, ce que j'ai aimé, c'est tout simplement la couleur or assez foncée du livre. Donc, avec écrit « L'étranger de la plage », deux petits oiseaux et le nom de l'auteur. Un petit contour assez simple mais très joli. Et de l'autre côté on a exactement la même chose. Donc ce qui est pas mal c'est que tu peux faire croire que tu es en train de lire un vrai livre, un roman, quand tu lis sans la jaquette comme moi. Donc c'est plutôt marrant. Et la tranche aussi qui est couleur or avec toutes les informations, on a collection, un yaoi et l'étranger à la plage. Voilà. En ce qui concerne l'intérieur du livre, déjà on va avoir une image en papier glacé avec une petite image de plage et du banc qui est l'endroit principal de l'histoire. Voilà. Et on a une double page couleur avec la même image que la jaquette, ce qui est pas mal parce que ça permet de mieux voir les détails, alors que là on a forcément le titre décrit devant, le résumé derrière, le code barre, les informations publiques averties, tout ça. Donc là je trouve ça sympa qu'ils aient remis la même image, c'est plutôt agréable. Et ensuite du coup on a juste la page des chapitres et le début de l'histoire. Donc la vidéo est terminée, je t'invite du coup à me mettre un petit pouce en l'air histoire de me dire si tu as aimé ou pas cette vidéo. Je t'invite aussi en commentaire à me donner ton avis, si la série te faisait envie avant la vidéo ou non, si je t'ai donné envie de l'acheter ou pas. Et n'hésite pas aussi à me donner ton avis sur la qualité des dessins. Et si tu as déjà lu cette série, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu comptes acheter ou pas la suite. Sur ce, bye!